Alors, sur le comportement des acteurs est assez intéressant, parce que on voit là un contraste, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai là, enfin, je viendrai ensuite sur la partie comment fonctionner en Europe. Un contraste flagrant entre le comportement des opérateurs américains et des opérateurs européens. Opérateurs américains, quand on a créé la société, j'ai demandé rendez-vous à tous les distributeurs en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, on a été reçus sous 15 jours. Donc, et on parle quand même de Walt Disney, Fox, Warner, donc on a des maisons qui, veut dire, à qui on n'a plus rien à apprendre. Donc, petite boîte, entrepreneur, tapé dans un coin, qui nous prennent rendez-vous et qui rendez-vous avec les responsables cinéma numérique de ces studios. On est reçus, ils nous regardent avec un air un peu dubitatif. Puis à la fin du rendez-vous, ce que vous dites est sérieux, on est prêt à vous écouter un peu plus. Donc, la discussion ensuite va démarrer sur une négociation commerciale. Les distributeurs nationaux, ça a été un refus. J'ai eu un rendez-vous en faisant pression par, je ne citerai pas le groupe, par l'actionnaire ultime. J'ai réussi à avoir un rendez-vous, j'ai été écouté poliment et ça s'est arrêté là. Et ça en dit très très long sur la manière dont on appréhende l'innovation en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire que le continent américain a ses défauts, mais le vrai souci de l'entrepreneur en Europe, c'est pour ça que j'ai plutôt parlé de résistance au changement, c'est qu'on est dans une situation en Europe où, dans des secteurs d'activité qui ont une histoire, on assiste à un refus de changer qui est manifeste, qui est extrêmement puissant. Et ce que je dis un petit peu après, c'est que, en fait, pour nous, en tout cas, ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais pour nous, le principal de notre activité quotidienne, c'est de ramener un contre-courant. Donc, les idées, on les a, on a des gens techniquement extrêmement compétents. Je pense que la réalisation est bien faite. On a tous les paramètres d'une entreprise qui doit réussir sont ouverts. Le vrai problème, c'est le milieu, c'est l'insertion dans le milieu, et c'est la réaction du milieu.